Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis journaliste audiovisuelle et il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé que sur ma chaîne YouTube, j'allais vous montrer l'envers du décor, les coulisses de mon taf, les coulisses des événements, les coulisses des concerts, les behind the scenes et aussi vous raconter pas mal de petites anecdotes. Car personne ne le fait en fait. Et moi je suis là pour ça. Lors de ma story précédente, je vous ai parlé de ma rencontre avec certains rappeurs américains avec qui c'était très très bien passé. À la fin de ma première story, je vous avais parlé du fait que j'étais partie chez un gros producteur. Un gros producteur qui s'appelait Marley Marl. Donc si vous ne le connaissez pas, vous connaissez certainement les sons qu'il a fait pour ses artistes. Du coup, comme je vous racontais, le rappeur Mickey Monday me fait monter à l'étage et tout, grand escalier, tu connais, comme dans les, bah, comme dans les villas de stars quoi, mais c'est assez vide, je trouve que c'est assez vide. Grand mur, peinture Louis Vuitton, ensuite grand cadre de Jay-Z, j'étais en mode, là on est vraiment dans la maison d'un producteur là, wow. Au final on arrive devant une porte mais avec, tu vois le code, t'es obligé de mettre un code pour pouvoir rentrer et tout. Donc tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Et on rentre dans la chambre. Et là, je vois une chambre, une grande chambre. Archi haute en plafond. Plafond archi haut. Et là, je vois des disques de platine, des disques d'or, des disques de diamant, des billboards. J'étais choquée. En fait, à un moment, je me tourne. Et vraiment, derrière la porte d'entrée, je vois un disque. Et c'était le disque de platine de mon son préféré de Post Malone et White Iverson, tu vois. Et là, je me dis... Ok. En fait, on blague pas, là. Là, je suis juste un mec, je me rends pas compte de tout ce qu'il a fait, purée. Tu vois ça, ensuite tu vois le cadre. Des Migos, Bad & Bougie. T'es là en mode... En fait, c'est un truc de ouf, c'est le genre de déco, de rêve. Mais là... C'est pas de la copie ou quoi? Taiga, Swiley, XXXTentacion, Lil Pump, Maluma, Slim Jimmy. T'es comme ça, tu vois Post Malone. T'es comme ça, tu vois un disque d'or des Migos. T'es comme ça, tu vois un disque de Drake de son album Take Care. D'ailleurs, Marley Marl, c'est ce producteur-là qui a fait en sorte que Drake et Chris Brown se réconcilient. Donc voilà, le beef peut-être a disparu grâce à lui. Bref, clairement, j'étais comme une gosse émerveillée devant tous ces disques. J'avais de l'émotion. Et ah oui, ce que je vous ai pas raconté, c'est que dans la pièce, bah, il y avait Black Chyna. Elle était en survêt, tu vois, peau de pêche. Black Chyna que je n'avais pas reconnue à la base. Mais tu la reconnais vite. Elle m'a carrément dit, ouais, vas-y, tu devrais monter plus haut si t'as envie d'avoir un bel angle et tout pour filmer la chambre. C'est ça, en fait, que je kiffe. En fait, à la différence des Français, c'est que les Américains, quand ils te proposent de faire une interview ou quoi, ils te proposent de le faire directement chez eux. Ça veut dire à leur studio ou alors chez eux. Genre, Molly Mole m'a directement invité dans son manoir. C'est pas on se rencontre au café du coin, non, non. Franchement, je vous cache pas, ce qui m'a aidé, c'est que quand je faisais des interviews, je disais que je bossais pour MTV. Parce que même si en France, les gens vont pas forcément qu'à la MTV, aux États-Unis, MTV c'est quand même quelque chose, tu vois. Et le pire, c'est que à aucun moment, c'est MTV qui m'a envoyé là-bas, tu vois. J'ai tout fait toute seule. Et au final, Molly Mole vient me chercher, il me dit ça va, t'as fait un bon vol et tout, nan, pas trop fatigué. Vas-y, viens faire l'interview. On se pose à son bureau et tout. Dans le hall là où il y avait la peinture de Jay-Z et tout, et laisse tomber, Black Chyna elle mettait du son à mort, mais genre archi fort, genre no respect frère. Me it's a little different because I'm actually that person that all this rap about, all the songs you hear. Genre elle pensait vraiment que c'était archi isolé, mais non. Du coup, Molly Mole, ça l'a un peu saoulé et tout. Même moi, j'étais en mode... Il est en train de parler, j'entends même pas vraiment. En plus, j'ai une caméra, il y a même pas vraiment de micro et tout. Donc voilà quoi. Il me dit, vas-y, viens, on descend et tout, studio. Je te fais écouter des sons et tout. J'étais en mode, mais let's go. Yeah. Let's take it to the studio. Ok. Let's go. Black Chyna, elle est archi petite. Genre même moi qui suis petite de taille. Elle était démaquillée et tout. Mais elle était mignonne, hein. Franchement, sans maquillage, elle était mignonne. Parfois, elle me dit, ouais, me filme pas et tout. J'étais en mode, ouais, y'a pas de soucis, t'inquiète. Franchement, je comprends, normal, au calme. Et à un moment, elle était dans l'ascenseur, elle me regarde, elle me dit, t'es fine? Tu pèses combien? Et après, elle m'a dit, quoi? J'aime bien tes sourcils. J'étais, merci. Ça fait plaisir, merci. On descend de l'ascenseur, oui, l'ascenseur qu'il y a dans le manoir et tout. On descend et on va au studio. Bah, et de là, bah, ils mettent la musique de Black Chyna, quoi. Molly, but I also love my sleep. Molly, 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 Molly.
On descend, il me fait écouter des sons avec Mickey Monday, on entend un son avec les Migos. D'ailleurs, je vais vous mettre l'extrait qui m'a fait écouter. Et après ça, il m'a présenté un autre rappeur. Faudrait que je retrouve son blaze. Et à un moment, je me rappelle, je filme. Elle pensait trop que j'étais en train de la filmer. Elle m'a zaffé enfin, sur le coup. J'étais en train de filmer tout comme ça. Là, là, là. Elle était en mode, non, please. J'étais en mode, je suis pas en train de te filmer. C'est bon, j'ai compris. À la fin, au final, j'ai pris les contacts. Et carrément, on m'a dit, ouais, Black China, là, elle est pas chaude pour faire l'interview. Mais la prochaine fois, autant que t'ailles directement chez elle pour faire l'interview. Donc, je t'abonne. Ok. Comme quoi, tu vas faire une interview à un endroit. Tu vas au final rencontrer 3, 4, 5 personnes qui vont te proposer de faire des interviews avec tel. Bref, ça va trop vite. C'est ça que j'aime trop aux États-Unis. Et voilà, en rentrant, on roule pendant une heure et tout, tatiata. Moi, je suis un peu fatiguée. On n'oublie pas que j'ai fait genre 6 interviews dans la journée. Désolée, j'ai besoin de boire. En rentrant de cette interview, quand j'étais dans la voiture, je rentre, je me dis, quelle journée complète. Demain débute le festival Rolling Loud. N'oubliez pas qu'à la base, moi j'étais venue à Los Angeles que pour ce festival-là. Dites-vous qu'en fait, les 3 jours où je suis arrivée à Los Angeles, j'ai pas chômé. J'ai... Au final, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai limite fait 10 interviews en 3 jours. Le genre de truc que j'ai jamais fait en France, tu vois. C'est pour ça que quand je te dis j'ai trop kiffé Los Angeles, j'ai trop kiffé Los Angeles. Ça va trop vite là-bas. Là-bas, on te donne des opportunités. Là-bas, les gens, ils voient que tu bosses. Allez, tiens! Et du taf, et du taf, et du taf! À la différence, la grosse différence que j'ai vue, c'est qu'en fait, en France, les gens ont trop besoin de preuves, les gens ont trop besoin de... Ah, mais t'as fait quoi avec qui, nan, vas-y, fais voir. Bah, tu sais quoi, quand t'auras une idée, tu m'envoies le grand brief et tout ton truc, et après, vas-y, peut-être on en parle. Frère, ça va, là, vous aimez trop perdre du temps. C'est pour ça qu'au final, ici, genre, je procrastine, je suis toujours en mode... Frère, il faut vraiment montrer un vrai truc et tout. On dirait que les gens en France n'aiment pas te donner autant de chance, tu vois. Les gens ont trop besoin que t'aies un statut, que tu sois quelqu'un, pour qu'on te donne l'opportunité de faire ci ou ça. À Los Angeles, en tout cas pour moi, pour mon expérience, t'es personne, on te laisse une chance. Si tu réussis ta chance, on t'en donne d'autres. Si tu réussis pas, tant pis pour toi. Mais vraiment ça, j'ai vraiment kiffé. C'est genre, on me connaissait pas et au final tout le monde a été archi cool. J'ai gardé tous les souvenirs qu'on m'a donné. Les rappeurs aux États-Unis, qu'ils te donnent des souvenirs, qu'ils te donnent des cadeaux, mais c'est que... c'est que... ou des trucs en rapport avec ça. Voilà, ils m'avaient donné de la Godzilla. Ils sont sympas les Américains, franchement ils sont... Bref, voilà, c'était ma petite anecdote. Franchement, le producteur était très gentil avec moi, les rappeurs autour étaient très sympas avec moi. J'ai gardé contact d'ailleurs avec certains, dont un beatmaker qui a été très discret durant cette séance-là et qui m'a ensuite contacté sur Instagram. Très bonne expérience, franchement j'ai kiffé. Dites-vous qu'au final ce soir-là en rentrant, il me dépose à Downtown LA je crois, et je me dis allez let's go, je me prends un bon petit burrito, des petits chips et tout. Je m'attendais à passer une petite soirée en mode allez, on va se reposer ce soir et tout, parce que demain gros festival. Je me rappelle que ce soir-là Julie elle avait une soirée à son taf, soirée spéciale Noël et tout, et là Ounia elle nous sort, hey les filles, ça vous dit de partir à l'anniversaire de Jimmy Fox? Demain, le gros festival, faut que je sois en forme. Mais ce genre d'occasion, ça se présente pas tous les jours. Donc bien sûr que je vais y aller. Je suis donc partie à l'anniversaire de Jamie Foxx. Et bien évidemment, votre Myriam Manhattan préférée vous a filmé des vidéos exclusives. Parce qu'il paraît qu'il n'y a déjà plus de réseau. Et ça, bien évidemment, vous le retrouverez dans la prochaine Story Time. J'ai trop hâte. Oh là là. Ah, c'est chambé, c'est privé ce soir. Il n'a pas fait une folie comme il fait d'habitude.
Ça fait un an, vous vous rendez compte? Genre là, vraiment, j'y ai pensé, c'était pile le 14 décembre. Et dans la journée du 14 et du 15, j'étais au festival Rolling Loud. C'était incroyable. You need to bring your ass to Rolling Loud and turn your fuck. C'est incroyable, j'ai trop hâte de vous raconter tout ça. Donc bref, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, histoire que je comprenne que vous avez envie de voir la suite de mes petites aventures à Los Angeles, parce que clairement c'était un truc de ouf. Et en plus il s'est passé des mésaventures sur la fin, faut vraiment que je vous raconte. C'est, en fait vraiment, en y repensant, je me dis, je vous ai jamais raconté ça. Qu'est-ce qui m'a pris de pas vous raconter ça? Il serait temps, hein. Il serait temps d'activer la cloche histoire d'être VIP, d'être au courant de tout en premier. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bisous.